Bonsoir à tous les amis, désolé pour le bug, on a eu un petit souci sur Streamlabs parce qu'on a des petites surprises qui arrivent ce soir et du coup les manips sont pas encore au point mais on est bon. Alors fallait juste changer de vidéo sur la chaîne mais on est good et ce soir je suis accompagné de Hugo. Salut Hugo, comment ça va? Salut Lucas, salut tout le monde. Bah écoute, ça va impeccable et toi? Bah écoute, au top, on est là ce soir, bah comme vous le savez, pour un lancement Atlas 5 401 pour le déploiement du satellite Landsat 9, mais également du satellite Cesium Mission 1 et 2, parce qu'en fait il y a deux petits CubeSats, et mon fond vert qui commence déjà à être relou, et également deux CubeSats Alana 34 qui sont à bord de cette fusée. On va détailler un peu tout ça, et vraiment les gars, je suis désolé, le nouveau fond vert est commandé, donc vous inquiétez pas, les prochains lives seront de meilleure qualité. Et enfin le satellite Landsat 9, comme je le disais, qui est un satellite très intéressant et qu'on va détailler un peu plus pendant la suite de ce live. On va passer directement sur, si vous le voulez bien, la webcast qui a commencé d'ailleurs. Salut Marie, salut Olivier, salut Alexis, salut tout le monde, salut Maricu. Voilà, donc ils sont Salut déjà Sabine. en train de parler de tout ça. Hop, voilà, je vous l'enlève, tac. Et on passe directement sur la webcast, les amis, c'est parti. Donc, bah bonjour à tous déjà, ouais, merci d'être là avec nous ce soir pour ce lancement. Lancement qu'on fait pas souvent, hein. Petit, Ouais, c'est vrai, petit, classe petit. 5. Ouais, Atlas 5, c'est rare. Hein. Petit lanceur, non, c'est plutôt du gros. Attends, je vais peut-être vous baisser un peu le son de la webcast parce que c'est un peu fort. Et en soi, on s'en fout un peu de ce qu'il raconte, parce qu'on a déjà toutes les infos. Voilà. Donc, cette fusée, qui est une fusée plutôt balèze, quand même, hein, mine de rien. Même si on la connaît pas trop, on a quand même des infos. C'est une fusée qui a effectué son premier vol en 2002. Donc une fusée qui a bientôt 10 ans, bientôt 20 ans, pardon. Voilà, une hauteur de 58,3 mètres, donc c'est plus petit qu'une Falcon 9, mais ça reste quand même une fusée balèze, hein, comme on le disait, pour un diamètre de 3,81 m, une masse au décollage qui peut varier de 335 tonnes à 573 tonnes selon la catégorie en fait de la fusée, la série. Il y a deux séries en fait, il y a la 401 et la 500. Et bah selon l'emport de charge utile, on peut y rajouter également des boosters, donc de 3 à 5 boosters. Nous ce soir normalement il y a 3 boosters et ça peut monter du coup jusqu'à 5 boosters. Donc une poussée qui peut aller jusqu'à 985 tonnes, ce qui est quand même pas négligeable pour une fusée de ce type. Et du coup en fonction du nombre de boosters et en fonction de la charge, vous pouvez envoyer jusqu'à 20 tonnes en orbite basse et 8 tonnes 800 en orbite géostationnaire. Que géostationnaire, je vous rappelle que c'est l'orbite qui est assez loin, l'orbite à laquelle on envoie par exemple les satellites GPS. Ce soir, c'est pas la même orbite, je vais y revenir. C'est un peu plus complexe, donc je vous ai préparé une petite animation pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'orbite visée de ce soir, qui est une orbite héliosynchrone. Et là, ce soir, elle aura une poussée de 764 tonnes, pour répondre à ta question, Tristan. Donc, c'est plutôt balèze, hein. Voilà. Lieu de lancement, un lieu de lancement que on connaît peu également. Ah voilà, on la voit dressée, hein, sur son pad. On a une petite timeline en bas, c'est cool. Je vais vous enlever les, je vais vous enlever les sous-titres. Voilà, on verra mieux comme ça la timeline. Le temps est pourri, comme tu disais Hugo, un brouillard de malade. Alors le brouillard est pas forcément gênant, mais c'est surtout gênant pour nous. Ouais, c'est clair, ouais. J'ai vu les photos tout à l'heure dans l'après-midi, ça devait se dégager au final pas du tout, mais ça empêchera pas du coup le décollage. Hein. Tout est ok, tout est go for launch. Pour le moment, c'est On a eu cool. la confirmation de Thierry Bruno cet après-midi. Tout est good. Voilà, donc du coup, le lieu de lancement, Vandenberg Space Force Base. Donc, du coup, bah, là, on voit la cam, hein, qu'on a su faire la coiffe qui est un peu dégueulasse, mais bon, tant pis. Donc, c'est un pad de tir qui est aux States. Et c'est une base militaire, hein, qui est en fait bah, sous-louée par la NASA, un petit peu comme pourrait louer un site par exemple à Cap Canaveral, etc. Comme le fait SpaceX par Ouais, exemple à Cap exactement. Canaveral. Le pas de tir, c'est le SLC-3E, à savoir qu'il y en avait deux. Il y avait le 3W, mais il a été démoli, donc il reste plus que le 3E.
Et ça va être le 44e lancement depuis ce pas de tir. À savoir que quand même le pad de ce soir, il existe depuis le 12 juillet 1961, donc ça fait déjà un petit moment qu'il existe. Il n'y a pas eu énormément de lancements, il y en a plus eu dans les années 60 au début. Voilà. C'est ULA qui lance la fusée et qui loue le pad, mais par contre, à savoir par contre que ULA, ouais, c'est Boeing, pardon, je vais un peu vite dans les infos, je vais essayer de tout vous donner correctement, mais ULA c'est Boeing et Lockheed Martin. C'est deux constructeurs d'avions qui sont montés ensemble pour créer ULA. Donc ULA, c'est typiquement pareil que la NASA ou que Blue Origin ou toutes ces entreprises-là. Et par contre, c'est North, alors j'arrive jamais à le dire, Northrop Grumman qui a créé le satellite, donc le Landsat 9. Donc lui, c'est un gros satellite. Hein. Par rapport au reste, c'est des CubeSats. Les CubeSats, je vous rappelle, c'est des cubes de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc c'est tout petit. Là, le satellite de ce soir, il fait 4,6 mètres de long par 3,3 mètres de large et 3 mètres de large et 3 mètres de haut. Donc, c'est pas non plus énorme, mais ça reste quand même un bon gros petit satellite de 2 tonnes 700. Et donc, on va peut-être un petit peu spécifier le satellite de ce soir. C'est un satellite d'observation, principalement d'observation, qui sert surtout pour l'agriculture. L'analyse de l'eau également, et voilà, là ils sont en train de parler justement de ce que je voulais dire. En fait, ces satellites-là d'observation, comme les satellites d'espionnage et comme les satellites météorologiques, ils sont envoyés sur des orbites ce qu'on appelle héliosynchrones, et ce sont des orbites qui sont polaires. Alors pourquoi on envoie des satellites sur des orbites polaires? L'ISS, faut savoir qu'elle est sur une orbite polaire légèrement décalée, hein, mais ça reste quand même une orbite polaire. Ce qui est intéressant avec une orbite polaire, c'est que le satellite survole toutes les zones de la planète. Pourquoi? Parce que le satellite tourne autour de la Terre du haut vers le bas, comme je suis en train de vous montrer, et la Terre tourne sur elle-même. Voilà, vous voyez, ils sont en train de l'expliquer là à l'image. Et en fait, du coup, ça vous permet de tout cartographier. Vous voyez, sur plusieurs tours, le satellite va absolument tout cartographier. Et justement, cette orbite, si je vous la montre, voilà, ici, vous avez une orbite qui est héliosynchrone et polaire. Donc là, le trait violet, c'est la révolution du satellite autour de la Terre. Ok, donc en 96 minutes pour celui-ci, il fait une révolution. Et la flèche jaune que vous voyez à l'écran, c'est la direction du Soleil. Et héliosynchrone, en fait, ça sert à être toujours dans le plan du Soleil, ce qui fait que sous le satellite, il fait toujours jour avec une luminosité qui est parfaite pour pouvoir faire bah, justement des analyses d'eau, des analyses de spectroscope, etc. Et si l'orbite n'est pas décalée légèrement de quelques degrés à chaque tour, vous allez vous retrouver dans des zones d'ombre. Ce qui fait que là, regardez, quand vous accélérez la rotation de la Terre autour du Soleil, vous voyez la flèche jaune qui se déplace toujours en direction du Soleil. Et bien le satellite se déplace également, okay, vers la droite pour pouvoir avoir toujours le Soleil dans le dos. Okay? Et quand le satellite aura fait le tour entier de la Terre, donc quand la Terre sera entièrement entourée de violet, la Terre aura fait en fait une révolution complète du Soleil, donc un an. Donc chaque année, en fait, le satellite fait une révolution complète autour de la Terre. Je sais pas si vous avez bien compris cette histoire d'orbite héliosynchrone, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à reposer vos questions. J'essaie de passer vite ça pour revenir directement sur la webcast. Voilà, hop. Et voilà, là je regarde. Donc voilà, si tu vois des commentaires, t'hésites pas à me le dire, Hugo. Ouais, pas de soucis, je surveille, t'inquiète. Donc vous allez me dire si vous avez compris hein, l'orbite. Et donc voilà, la mission de Landsat 9, c'est une durée qui, enfin c'est une mission qui va durer 5 ans. Par contre, le satellite lui a une durée de vie de 10 ans. Donc la durée de vie en fait, c'est la capacité qu'il a en ergol pour pouvoir encore s'orienter, etc. et bouger. Et peut-être que du coup, comme c'est des satellites nouvelle génération là, qui sont en train de développer, peut-être qu'il aura un système de désorbitation ou au moins de pouvoir se déplacer pour partir sur une orbite poubelle. Et ça, par contre, on n'a pas trouvé l'info dessus. Donc je pourrais pas vous dire. L'altitude visée, c'est 705 km. Donc c'est une orbite qui est haute, mais pas non plus très haute. On est bah, pratiquement à la même altitude que Inspiration 4. Voilà. Là, Ouais, exactement. c'est ça. Vous voyez qu'il a qu'un panneau solaire, hein, il n'y en a pas deux. C'est un peu comme les Starlink d'ailleurs. Il a un peu la. Ça ressemble à un Starlink, en plus gros. Hein. Voilà. Donc il aurait une vitesse plus faible que l'ISS, hein, du coup.
Évidemment, plus vous éloignez la Terre, moins vous allez vite, hein. Donc du coup, là, on sera à 25 000 km/h. Ce qui est environ 3 000 km/h en dessous de la vitesse de l'ISS. Voilà. Pour ce qui est des infos principales de ce vol de ce soir, les moteurs de la fusée, c'est des moteurs RD-180 conçus en Russie. Russie qui est quand même un pays vachement présent dans le spatial, hein, pas à chier. Et ce sont des moteurs qui marchent comme la Falcon 9, RP-1, donc kérosène hyper raffiné et oxygène liquide pour ce qui est du premier étage. Second étage, c'est hydrogène et oxygène. Voilà. Et également un truc que je viens de lire juste avant le live, ce qui permet de donner une pression dans les réservoirs quand vous êtes en apesanteur, c'est de l'hélium qui est ingéré dans les carburants, dans les ergols, pour pouvoir les pousser dans les turbopompes. Voilà, je vous ai donné les infos principales. On pourra se pencher sur toutes sortes d'infos durant le live. Live qui va pas être très long hein, ce soir malheureusement. Le décollage qui est prévu dans 30 minutes. Et à mon avis, la webcast, on va la perdre pas longtemps après le décollage. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude. On va vous le répéter 100 fois. Et puis voilà, on va attendre tranquillement. C'est marrant parce que maintenant, les agences spatiales, elles font toutes pareil, hein. Il y a deux journalistes qui parlent autour d'une table, des images. Ouais. Ils calquent le modèle un peu SpaceX. Ouais, carrément. Carrément. Voilà. À savoir que du coup, le satellite Landsat 9, c'est pas le premier hein, de la famille. Il y a le 8 qui est là. Donc maintenant, on parle d'une constellation une fois que le 9 sera en vol. Apparemment, ça bug. Hein. Je sais pas ce qui bug. Il y a un problème sur le réseau de Bouygues en ce moment, donc c'est peut-être à cause de ça. Ouais, chez SFR aussi. Donc ça va être le deuxième satellite. Et en gros, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les agriculteurs, par exemple, peuvent faire appel à Landsat 9 et 8 pour... Oh, merci beaucoup pour ton don, Jean-Patrick. Gros Merci GG à Jean-Patrick. toi. Et là, je suis en train de me rendre compte que ça marche pas. Ben oui. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Alors, attendez juste, je check un truc parce que normalement, il est censé se passer un truc. Ah! Attends. Attends. Et ça va peut-être le faire. De toute façon, tu l'avais mis sur les abonnements aussi. Parce que là, ça me l'a mis dans le truc Streamlabs. Ça n'a pas fait l'animation. Alors pourquoi? Oh non, pourquoi ça marche pas? Attendez les amis. Il y a pas mal de perturbations au réseau en ce moment-là. Alors, il y en a qui disent que c'est dû au volcan là. Alors, je sais plus. Bougez pas, retrouver les infos. On vient de perdre tout le monde sur le stream là, j'ai pas compris. Ouais, il y a beaucoup de bugs là en ce moment. Même tout à l'heure, je regardais une vidéo sur YouTube et ça buguait de ouf aussi. Pourquoi on n'a pas l'animation? Là, il arrête pas de sauter. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Les amis, j'essaie de voir ce qui se passe, mais... Ouais, c'est étrange. Pourquoi on n'a pas l'animation? Oh, mais c'est un bug, c'est un bug, hein, cherche pas. C'est un bug de du stream là, je pense. Si quelqu'un sur le stream n'est pas abonné à la chaîne, si t'es pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais s'il y en a un de vous qui peut s'abonner juste pour... J'ai déjà fait tout à l'heure. Et ça l'a pas fait? Non. Attendez, attendez, attendez. C'est un peu un live test parce qu'on a ramené pas mal de nouveautés ce soir-là. Ouais.
Oui, donc voilà, c'est le volcan Cumbre Vieja. J'espère que j'ai bien fait l'accent. Hein. Qui se trouve à La Palma, qui est actuellement en éruption. Donc c'est une éruption assez importante. Ça fait un nuage, un nuage de cendres jusqu'à plus de 80 km en altitude. Ah, je sais. Donc ça paralyse un petit peu les télécommunications. Bon, ça devrait vite rentrer dans l'ordre parce qu'ils sont en train de s'adapter, hein, mais là c'est vrai que C'est bon, je c'est pas sais. évident. Je sais ce qui s'est passé. Ah. Regarde, c'est bon. Les amis, je vais vous montrer la nouveauté. Je vais vous montrer la nouveauté. J'arrive. Hop. Désolé pour ce que vous êtes en train de voir. Voilà. Voilà ce qui aurait dû se passer. Merci Steve pour l'abonnement. Ça va être réglé aussi dans pas longtemps. Et Jean-Patrick, c'est ça qui aurait dû se passer. Ok. Attendez. Alors, je viens de regarder sur. Alors, attendez, bougez pas. Je vais essayer un truc. Ok. C'est ça qui aurait dû se passer. Donc, il y a des bugs, hein, chez un peu tout le monde là. Il y a un stream qu'on écoute souvent avec Lucas, avec de la bonne musique, et du coup, on le met souvent en fond et il bug aussi le stream. Hein, donc, il n'y a pas que nous. Ah, c'est bon! Ça marche! Ça y est, t'as réussi. Par contre, pourquoi c'est... Ouais, en fait, le live il s'éteint et il se rallume. Donc à chaque fois, on perd tout le monde et tout le monde revient. Donc c'est pas que chez nous, hein, que ça fait ça. Et pour les abonnements, il faut faire pareil. Bah là, je vois si la coulée est rase un émetteur. Bon, après nous, ça nous impactera pas, hein. Mais c'est plus embêtant pour les habitants, quoi. Ouais, Julien, on n'est pas les seuls, hein. T'inquiète, on a vu ça. Bah, tiens, Ok. tu vois, Lucas, là, j'étais sur le live de musique, Lucas, sur Gentleman, là. Ouais. Et ils coupent aussi leur live. Merci Séverine pour ton don. Oh, merci beaucoup Séverine pour ton don. Gros GG à toi. Ah, vous êtes en forme, hein, ce soir. Ouais, grave. C'est ouf que le volcan quand même ça agit sur. Ouais, bah ouais, malheureusement, Oh, ça marche! c'était déjà arrivé. Ça marche! C'était. Ah, j'ai l'impression, ouais. C'est déjà arrivé pour le Vésuve, il me semble. Ça avait paralysé, bah, toi qui es dans l'aéronautique, ça avait paralysé Ouais, tout mais le. les avions, ouais, le trafic aérien, c'est normal parce qu'il y a Ouais, des. ça c'est. Salut Ryzen! Horizon! Bon voilà, vous avez vu, maintenant quand vous faites des dons, ça vous remercie directement sur l'écran. Avec une petite animation dont on est. Dont on n'est pas peu fier. Maintenant, il reste plus qu'à gérer ce problème.
Il reste plus qu'à gérer ce problème pour les abonnés. Parce que vraiment, quand vous abonnez, ça fait pareil. Ok, c'est bon. Les amis, je crois que c'est bon. Je crois que tout. Voilà, Steven qui s'est abonné tout à l'heure. Merci beaucoup, Steven. Et voilà, vous avez vu. En vrai, ça paraît con, mais je vous jure qu'on a taffé toute l'après-midi pour vous donner ça sur les C'est lives. clair. Ça paraît hyper simple comme ça, mais ça y est, on a enfin des animations. La chaîne upgrade encore un peu en qualité, on va dire. Salut LH. Donc maintenant, quand vous faites des dons et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous avez. Bah voilà, merci beaucoup, Jean-Patrick, encore une fois. Jean-Patrick qui fait des tests, hein, Il n'hésite fait des pas. tests pour nous, merci de nous aider à voir si ça marche. En tout cas, ça marche. Je suis plutôt content. Donc désolé, hein, juste on a eu un petit problème. En fait, on est passé de OBS à Streamlabs OBS qui est un peu plus complet qu'OBS. Donc la mise, c'est la première fois que j'utilise. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début, j'ai pas réussi à commencer sur le live qu'on avait programmé. Je vais regarder ça demain pour la prochaine fois pour que ce soit plus propre. Mais en tout cas, mis à part ça, le reste, tout marche comme on l'a prévu. Donc je suis plutôt content. Et je vais enfin pouvoir me remettre un petit peu avec vous dans le live parce que là j'étais parti dans mes réglages et j'en ai oublié de vous lire. Et j'aimerais juste faire encore une fois disparaître la bande YouTube qui ne dit pas. Ah voilà, ça y est, mais là ça y est les gars, ça y est. Impeccable. Là Et ça on y vient est. de dépasser les témoins 20 minutes. On est à 20 minutes du lancement. Exactement. Merci. Hier soir j'ai regardé Sully, je pensais à ton live sur l'aéroport. Avec la tour de contrôle. Salut Guillaume. Ah oui, très bon film celui-là. Hein. Je le recommande vivement. Très très intéressant. Histoire vraie en plus. Nous Et voilà, déplaçons. on De a déjà un quoi? retard. Ouais, On de a déjà deux un petit retard minutes. d'une minute. Une minute, ouais. Pour éviter la collision avec un autre satellite. Ah, je suis super content Ouais. de notre truc là. Hein. Franchement, ça tue. Et du coup, je peux voir en direct tous les gens qui s'abonnent aussi. Enfin, c'est vraiment top là. Là, on vient d'upgrade la chaîne. C'est parti, les gars. Direction les 20 000 abonnés. On y est presque, hein. Plus que 9 300 abonnés. Enfin, en tout cas, on est là. Du coup, vous avez pas tous vu la petite intro, les gars. On a une nouvelle intro. On a une nouvelle intro sur la chaîne. Là, vous êtes 80, c'est pour ça que je voulais vous. Attends, je crois qu'il y a Alex qui s'excite par message là. Ouais, il est en train de nous prévenir qu'il est en train d'arriver. Ok, super. Salut, bonsoir à toi, Ramla. Je crois que je t'ai jamais vu sur nos lives, bienvenue. Ouais, c'est clair, Et c'est ce que j'allais dire. merci beaucoup, Pat, qui s'abonne à la chaîne, c'est énorme. Ah, oh, ça me fume. J'ai l'impression d'être sur Twitch. Qui fait le petit bonhomme? Alors, le petit bonhomme, ça dépend. Tu fais quelle taille, toi, Lucas? Merci, Julien, 1,80. Ouais. Bah, ça va être toi le petit bonhomme alors. Tu fais combien, toi? À 86. Ah ouais, t'es grand, toi. On s'écarte, on s'écarte, on s'écarte. Parce qu'il y avait David qui demandait qui c'est qui faisait le petit bonhomme qui dansait. Ah ouais. Ouais, c'est moi, c'est moi. Oh là là, il est tellement beau, ce. Ok, les gars, on est de retour. On est de retour. Désolé, il y a vraiment des bugs de co. C'est la merde. Ah, mais il y a encore 35 personnes qui attendent sur l'autre live, quoi. C'est chiant, en fait. Là, je suis sur le bon live, là. Je suis sur le live qui était planifié. Ok les gars, est-ce que vous nous entendez? Merci Ça y est, chaîne oui. Space pour ton abonnement, merci beaucoup. On est sur le bon live. Ok, J'ai là supprimé normalement, on l'intro est de tout à retour l'heure. les amis, on est de retour sur le live. Désolé hein, les amis, vraiment. On n'y est pour rien. On est reparti, désolé, vraiment. Pourquoi j'ai zéro spectateur simultané alors que vous êtes tous en train de me dire que c'est bon? Si, si, on les voit, c'est juste un problème d'affichage, je pense. Ça peut être, ouais. Moi ça m'adobe votre live de fois. Ouais non mais les gars, ce soir c'est chelou ce qui se passe. C'est clair. Heureusement que ça n'a pas fait ça en plein décollage.
Bon, je vais voir de la Duella, moi, quand même. Pas mal. C'est vrai que chez Yula, ça bug pas. Salut tout le Ah monde, non, comment allez-vous? c'est la NASA qui va être, je suis con. Salut Actu Space, ça va super bien. Bon, ok, on est reparti. Là, je sens que ça a marché. C'est bon, les Ouais, gars. je suis sur un site qui recense les problèmes de connexion et il y a un serveur YouTube qui a lâché à précisément 19h14. Nickel. Pile à l'heure, on Ouais, mais commence. c'était un quart d'heure avant la prise d'antenne de base, non? Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, ce qui se passe quand il y a un serveur qui lâche, ça veut dire que tout ce qui était sur ce serveur passe sur un autre. C'est redondé. Il y a une redondance qui est faite, donc un backup. Et en fait, c'est pendant ce passage-là, c'est pendant le transfert qu'il y a des problèmes. Comment ça, Séverine, j'ai pas compris. Non, mais c'est bon, les gars, c'est résolu. Salut, Rolls. Enfin, voilà. Du coup, on est reparti. Désolé. Vraiment. Définitivement ce coup-ci. Cette fois, On on est part bien. bien à Sauf. 20h12 en tout cas. Il y a un retard de 1 minute, donc 20h13. À cause d'un satellite qui passe Ah au-dessus. ouais, effectivement. Je vais changer ça. Ok. Bon, en tout cas, ça m'aura. Ce problème de connexion m'aura fait comprendre la connerie que j'ai faite en début de live pour la planification du live. Voilà, donc là, vous montre des photos hein, que le satellite peut prendre. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, avant d'être coupé, ce satellite en fait peut servir par exemple à l'agriculture pour l'irrigation des terrains, également pour voir l'avancée de la déforestation. L'urbanisation aussi, comprendre beaucoup de choses, hein. C'est vraiment hyper intéressant. Je suis allé me renseigner tout à l'heure sur le satellite, c'est très très intéressant. C'est vraiment bourré de technologie. On n'a pas le son de la vidéo source, c'est-à-dire. J'ai baissé le son hein, de la vidéo. Le lag de la Oui, NASA, ouais. c'est le lag dont il parle, je pense. Eh ben François, salut à ton petit bout de chou de 6 ans. Comment s'appelle-t-il? Salut Nathan. En tout cas, t'as vu Alex, c'est bon, les animations, ça marche nickel, hein. J'ai pas été voir encore, je sais où, je suis en train de remodifier la mini en fonction de l'heure là. Bah tu Hop. regarderas là, tu regarderas sur le live quand quelqu'un s'abonne ou quand quelqu'un fait un don, ça fait une animation. Je sais pas si t'étais au courant, mais on a fait ça cet après-midi avec Hugo. Mais ça, je suis au courant quand même. Quand même, hein, minimum. Yes, quoi. Salut Oh la Théodoric! loose. Bienvenue à toi sur le live. Il y a les témoins 10 minutes, messieurs, dames. Ça On se approche. rapproche. On se Et pas rapproche. partager un max le live, hein. Mettre des pouces bleus, les amis, là, pour nous aider. Parce que YouTube est pas avec nous ce soir, les serveurs sont pas avec nous, donc faut nous aider. C'est clair. Salut, bah écoute, salut Noah. Et puis, ben, t'as qu'à rester abonné sur la chaîne avec ton papa pour en apprendre plus sur l'espace. Exactement. Pour ceux qui ont envie, parce que le live va pas durer longtemps, donc pour ceux qui ont envie de traîner avec nous ce soir, je ferai peut-être, enfin je ferai même sûrement un vol commenté après ce live. Voilà, donc vous aurez la petite alerte hein, si vous avez bien activé la cloche d'ailleurs. Ouais, n'hésitez pas à l'activer parce que vous êtes à peine plus d'un quart à l'avoir fait. J'ai regardé les stats récemment, donc n'hésitez pas, ça vous coûte juste une action avec votre doigt et c'est tout. Et vous recevrez toutes les notifs, hein, bien sûr, de tous les prochains lives et toutes les prochaines vidéos, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bah, en vrai, Patrick, il n'y a pas besoin de faire un nom pour qu'il y ait une animation. Simplement s'abonner, ça suffit. Salut David, oui, c'est vrai que ça fait un moment. Ah, ils ont encore leur masque, ils doivent pas être vaccinés là-bas. J'ai rien dit. Non, mais certains centres ils gardent la distance, les masques et tout, et d'autres Là, il n'y a pas un ils mètre, laissent hein. tout tomber, quoi. Là, il n'y a pas un mètre. Là, y a pas du tout un mètre, quoi. Un petit récap, La salle est allez, exiguë. avec plaisir, je m'en charge. Récap, les amis. Décollage d'une Atlas 5, catégorie 401, donc la plus petite. Pourquoi 401? Parce qu'elle est équipée de 3 boosters à poudre. Booster à poudre, c'est en fait des ergols solides, ce qui fait qu'une fois que vous l'allumez, ça s'arrête plus. Ça consomme enfin, toute la poudre qui est à l'intérieur du booster. Booster qui fait quand même 17 mètres de haut, pour 46,697 tonnes, donc plein. Donc ça va très très vite s'alléger, hein, étant donné que la poudre, en quelques minutes, en peu près 3 minutes, finit de se consumer. Ensuite, on va larguer ces 3 boosters
pour tomber sur une seule poussée du premier étage qui est équipée d'un seul moteur RD 180 qui marche au kérosène hyper raffiné et à l'oxygène liquide comme pratiquement la plupart des fusées. D'ailleurs, on voit à l'écran que la fusée est chargée en LOX, enfin en ergol. Pourquoi? Parce que vous avez du venting, donc cette fumée qui s'échappe, cette fumée de condensation qui s'échappe du premier étage. Voilà, fusée qui fait quand même 58,3 mètres pour 3, de haut pour 3,80 mètres de diamètre. Ça va être son 88e vol et elle a connu qu'un échec partiel durant toute sa carrière qui a commencé en 2002. Voilà, à l'intérieur on aura donc 5 satellites, dont un gros satellite de 4,6 mètres de long par 3 mètres de haut et 3 mètres de large qui fait 2 tonnes 73 qui s'appelle Landsat 9. C'est un satellite d'observation de la Terre pour, comme je le disais, l'écologie, l'agriculture, l'eau, etc. Qui sera à une altitude de 705 km d'altitude du coup, pour une mission qui durera 5 ans et qui va rejoindre son petit frère Landsat 8 qui lui est déjà en orbite sur une orbite héliosynchrone, donc une orbite qui est toujours face au Soleil. Voilà, et qui sera accompagnée avec 4 autres satellites, donc 2 microsatellites, donc CubeSat qui s'appellera ELANA 34, enfin, qui s'appelleront également de l'observation de l'atmosphère des exoplanètes, et 2 autres petits satellites, pareil, donc des CubeSats qui s'appelleront Césium mission pardon, 1 et 2. Voilà, donc 5 satellites, dont un gros. Et là, ils sont en train de faire les go for launch. Ouais, ce que j'allais te dire, mais Ouais, je voulais pas il y te a les couper, ils sont checks en train de faire encore. tous les go là. Ah ouais, Chief. Go, range coordinator. Et on est go for launch Launch pour ce prep. soir. You have mais la permission to permission du launch. directeur de vol. Voilà, on est go for launch, c'est parfait avec ce VLC, temps. verify T0 is set for 1812 Zulu. Verified. Avec ce temps 1812 dégueulasse. Zulu, that's UTC time and C'est we clair, are mais apparemment ça going s'éclaircit, il to y aurait une meilleure visibilité. here, Tom Peter III. Bon, déjà, si on a une cam embarquée, ça. Absolutely, I got goosebumps here, Daryl. Every time we get to this point in a launch, it is great to hear. Voilà pour D'ailleurs le. aussi, hein, au passage, merci MacRaef pour les traductions. Ah, Ouais. MacRaef qui est là, tous les lives, qui nous retransmet les communications. Alors, pourquoi du venting sur la tour? Alors, bonne question. Je me suis posé la question il y a 2 minutes. À mon avis, ça va être un tuyau où ils sortent de la pression des tuyaux de la tour, peut-être. Et du coup, il y a des restes d'oxygène liquide sûrement qui condensent à la sortie. Je pense. Il pleut, il y a de l'eau sur la cam. Salut, Empereur. Ouais, je sais pas, c'est étrange la météo là-bas. Comme quoi la Californie, hein. Ouais. Échec partiel, c'est possible. Bah, échec partiel, ça peut par exemple être que le lanceur s'est bien déployé, enfin bien lancé le satellite, mais qu'au moment de l'allumage du satellite, par exemple, ça n'a pas marché. Après, je pense pas que ce soit ça là. Parce qu'échec partiel, c'est par rapport au lanceur, donc je sais pas. Peut-être une mauvaise séparation d'un booster, du coup, échec de la mission. Salut Florence! Yo Florence! Comment ça Nous sommes en train de refroidir au maximum la fusée car elle est très chaude, plus chaude que d'habitude. Ah! Salut Zebou! Zebou, je fais un vol commenté après, tu vas être content. Salut à toi Zeynep! 4 minutes, les amis, 4 minutes. Yes. Alors, il y a eu un compte à rebours, je sais pas pourquoi, c'était pour passer les 4 minutes, je crois. Ouais. Ça a changé de. Ok. Bah, ça va au top, Florence. Florence, t'as pas encore vu les nouveautés sur la chaîne là? Faut que quelqu'un s'abonne. Échec partiel, par exemple, c'est ne pas être sur l'orbite visée, c'est-à-dire que le satellite est en orbite, mais pas exactement comme prévu. Ok. Salut Thibaut! Oh, j'ai eu peur, j'ai eu un bug sur le stream de la NASA, le compte à rebours s'est arrêté. Quelle altitude de l'orbite? 705 km. Salut Matisse!
Bienvenue à toi. Il y a 3 lives cette semaine. Oui, voire 4 si je fais un vol commenté après celui-ci. Merci Hervé pour t'être abonné sur notre Instagram. Il y a quoi de nouveau, Florence? Bah écoute, quand quelqu'un fera un don ou quand quelqu'un s'abonnera, tu verras. C'est la petite surprise. Mais je pense que tu vas kiffer. Non, Picon, on pourra pas le voir ce soir parce que. C'est toi qui as lancé la diffusion, Lucas, là? Ça marche, hein. Connexion excellente. Merci au volcan de la Palma. C'est chez moi que ça live, les gars. C'est sur mon stream à moi que ça live. Non, regarde, tu vas voir. À moins de bonsoir. Ah oui, il n'y a pas de cam, donc c'est moi. Je m'enlève. J'enlève, vas-y. Oh, on a une belle flamme, là. Voilà, ouais. Ça live de chez moi ou pas? Normalement, oui, parce que moi, j'ai arrêté. Pourquoi il n'y a pas ma cam? Je suis revenu en arrière, mais... Ah, voilà. Si, ça y est. Ouais, ouais, t'inquiète pas, Pico, on va revenir. On... Ah, t'as déjà relancé le décollage. Allez, on est à 1 minute du lancement, je sais tout le monde a le temps de revenir. Ça y est, voilà, les gars. C'est ça. Eh ben, j'espère que le problème YouTube sera résolu avant demain, parce que... Ah ouais, mais là, vraiment, ça a coupé, mais alors... Enfin, les gars, on est vraiment désolé, c'est vraiment pas de notre faute là pour le coup. Ok, c'est reparti. Allez, 40 secondes avant le décollage. Oh là là là, c'est la honte pour nous. Soyez indulgents, vous savez que ça arrive jamais. Mais non, mais toi, on l'a perdu. La visée, elle a pas encore décollé, Alex. Ah ouais, dans ton côté, ouais. Mais moi, de mon côté, ça fait ça. Oh, le volcan là, comme il rend fou. Allez, c'est reparti, 5 secondes. Et je vais regarder chez toi, Lucas. Salut Kevin, non, on stream pas sur Twitch encore. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, Kevin, si le spatial te plaît. Allez, c'est parti. Donc, décollage. Prochaine étape, Max Q. Donc, période aérodynamique maximum. De contrainte aérodynamique. Hein. C'est ça, Nathan. Voilà, la caméra embarquée. Pas du tout haute résolution, par contre. Ouais, non, la caméra embarquée, pas dingue. Mais bon. Ce sera peut-être plus joli quand on va passer au-dessus du brouillard, par contre. Il me semble qu'après il passe en caméra thermique. Ouais. Ouais, mais t'as de nouveau des vues embarquées depuis. Ok. Depuis le deuxième étage après. Impeccable. Ça marche, Kevin, merci. Bon, du coup, on a perdu tout le monde. Hein. Je suis pas totalement sûr, mon Ryzen, tu vois. Parce que moi, chez moi, ça marchait bien.
Ça marchait bien parce que t'étais pas en stream, mais... Ouais, il y a eu un bug de serveur après. Là, je parle pas de la dernière coupure, mais là, je parle de la dernière coupure. Je parle pas de ce qui l'aurait arrivé tout à l'heure. Moi, j'étais pas là. Et... C'est vrai que YouTube met du temps à répondre, même quand je fais une pause ou quoi, c'est loin la réponse. Non, non, YouTube a une panne, ça c'est sûr et certain. Par contre, est-ce que notre bug de live est dû à ça, je sais pas. Parce que regardez la flamme qui s'est vachement la flamme est incroyable, hein. Agrandie, et la vue là qui est magnifique. Alors ce lancement c'est pour envoyer 5 satellites dont 4 mini satellites donc des CubeSats pour de l'observation et un gros satellite de 2 tonnes 700 pour l'observation terrestre. En 8 construit par Northrop Grumman. Bon, en tout cas on a perdu tout le monde sur le live, hein, plus personne. C'est pas grave. Si des choses qui arrivent, les gens ne nous en tiendront, nous nous en tiendront voilà. Pas rigueur. Problème technique. C'est général là. Merci Aurélien pour ton follow sur Insta. Regardez ces vues caméra thermique là, magnifique. Ça pousse longtemps. Hein. La flamme elle est incroyable. Ouais, la flamme est incroyable. Surtout en image thermique comme ça. Ouais Julien, t'inquiète pas, on va se pencher sur le sujet. Bah Alexis de rien, mais bon désolé pour les petits bugs techniques là. Wow, magnifique. C'est pas grave Jean-Louis, on se remet tout parce qu'il y a des gens qui ont raté comme Aft. Comme magnifique, Régis, hein, regardez la séparation, la séparation est magnifique, on voit vraiment le premier étage qui s'éloigne. Avec la vue sur ce moteur du deuxième étage. Hein, la vue au Miko était belle aussi quand ça s'est éteint. Là. Oh là là, ouais. C'est... Enfin, le Pico plutôt. Et ouais, là, c'est pas. Eh ouais, du coup, non, c'était le Miko parce que c'était le premier étage. Et là, on voit le deuxième étage. Là, le... Vous voyez que la tuyère s'oriente. Hein. On voit des morceaux de glace aussi qui se détachent. Et ce deuxième étage-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'utilise pas la même coupe d'ergol que le premier. Ici, il utilise de l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide, le RLB. Je me trompe. Le RL 110. Je vais regarder. Bah franchement, je suis pas déçu par la couverture caméra. Ouais. Le RLD-T1, pour être précis. Qui lui pousse pendant plus de 400 secondes. Eh ben. Ah, j'ai eu un bruit, je sais pas ce que c'était. Ah non, c'était lui là. La charge utile au total, il y a 2 tonnes 75 Nathan, dont rien que pour Landsat 9, c'est 2 tonnes 71. Et après, chaque CubeSat, c'est 7,98 kg, étant donné qu'ils sont de classe U6. La fusée, elle retombe dans la mer. Alors, Jean-Louis, ça a rien que t'énerver, on a eu un problème technique, ce qui peut arriver. On fait de la diffusion en direct, c'est pas facile de faire de la diffusion en direct sur YouTube. C'est la première fois que ça nous arrive sur environ une cinquantaine de lives.
Donc voilà, on n'a pas une minute de retard, c'est juste que j'ai mis une minute avant pour qu'on puisse revoir le décollage, comme ça a planté pendant le décollage, tout simplement. Donc encore une fois, excusez-nous pour ce moment, mais ça sert à rien de s'énerver. La fusée, elle a été lancée de Vandenberg sur le pad SLC-3E, donc vers le sud sur une orbite héliosynchrone. Qui se trouve dans l'état de Californie. La Californie, pour être précis. Tac, je vais avancer ce passage un peu nul là. On va venir sur la fusée. Ouais, c'est limite de te mettre en direct là. Donc on a une séparation de la coiffe. Salut Lorenzo. Voilà, et maintenant, donc les satellites vont monter à 705 km d'altitude. Hein. Et le bug recommence. Et ça rebug. Mon avis, on n'a pas, comme je dis, ce que j'ai dit sur WhatsApp, c'est qu'on n'a pas, réglé Streamlabs comme OBS. On n'a pas fait les réglages et tout, et là... Là, moi, j'ai fait les réglages d'un YouTuber. Ouais, mais... Je trouve que t'as pas mis la coût en fonction de ta coût actuelle, le débit à envoyer, et... Bon, c'est revenu, Bon, les gars, heureusement, c'était pas un live important, et ça nous permet de voir ce qui va pas, et comme ça, le prochain live, ça sera au top. Une fois qu'on aura réglé tous ces problèmes à la con là, on sera bon. C'est juste un problème de réglage, je pense, ouais, d'OBS. On va se pencher sur ça après le live, les amis. Et une fois qu'on a réglé ça, on fait le vol commenté pour se rattraper. Merci David. Et Lucas, est-ce que tu n'utiliserais pas par hasard sur la destination du vol commenté? Est-ce que t'as ton idée ou pas? Bah non. J'en étais sûr. Improvisation. Mais on peut se faire un vol, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire comme vol? On peut faire Toulouse-Ajaccio. Merci Lewis. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour voir les prochains lives qu'on fait mieux que ça. Parce qu'en fait, on est, je vous le répète, mais on est vraiment passé sur un autre système pour live qu'on connaît pas. Et du coup, bah voilà, il y a eu quelques couacs. Mais à l'avenir, ce sera vraiment mieux. Vous verrez que la qualité des lives sera beaucoup mieux. Merci en tout cas pour le soutien. Ça m'en fout, je suis vraiment au bout de ma vie. Hein. Mais c'est rien, c'est pas méchant. Pico, je sais pas, c'est une grande question à laquelle je ne sais pas répondre. Un peu des deux, je vais être honnête. Nous avons eu un doute sur le lancement de fusée ce matin car la météo n'était pas. Ouais. Merci les gars pour le soutien. Mais bon. Le plus important dans l'histoire, c'est que la classe a décollé. Hein. Ouais. Enfin, heureusement que ça ne nous arrive pas sur une Falcon Heavy ou. Ouais, bah ouais. Attends, un peu ce qu'il y a. Archip. Bah merci beaucoup, Amel. Et n'hésite pas à t'abonner du coup, parce qu'on fait des lives encore demain et on va en faire deux autres cette semaine. Donc n'hésite pas. Merci Anaïs, merci beaucoup. Il faut s'abonner à une jolie émission. Ouais, c'est vrai. Super live quand même malgré les bugs. Merci beaucoup Grégory. On dirait qu'ils stream sur Mars la NASA. La météo de l'enfer qu'ils ont là.
Ils ont une sale météo, une sale brume depuis hier. Hein. Ouais, vraiment. Et ça, c'est pas parti depuis hier. Quoi. Merci Flo. Comment ça, Chris? Je remercie, merci Vécidouze pour ton don. Merci beaucoup. Je sais pas ce que c'est comme monnaie par contre. Ouais. Je vais aller voir. Je ne sais rien. Remets en live, Lucas. Les images, ouais. Ouais, le truc de la NASA. Voilà, donc on est sur la poussée du deuxième moteur pour la mise en orbite là. Santo. Et voilà la petite animation du coup. Merci beaucoup, Basic 12. Si, mais du coup, comme la connexion est lente, l'animation est lente. C'est du shekel israélien. Ok. Je connaissais pas. Moi non plus. Peut-être une crypto. Merci, Ryzen. Voilà, donc là on pousse. À quoi ça sert de pousser là? Ça sert à atteindre une vitesse de environ 25 km/h pour monter sur l'orbite héliosynchrone. Et voilà, hop, coupure du second étage. Et donc là, normalement, si tout va bien, on devrait avoir une séparation du Landsat 9. Un grand bonjour à tous de la Nouvelle-Calédonie qui se réveille mardi 5h30. Bah, gros coucou à la Nouvelle-Calédonie. Oh là oui, c'est clair. Voilà, donc l'animation que vous voyez à l'écran est basée sur les données des centrales inertielles et également des données de vitesse et d'altitude. C'est stylé les animations, Marie. Ça sera le truc à retenir de ce soir. Même pas, ça fait 360. Attends. Il y a quelques... On s'en fout. Moi, ce qui me fascine, c'est que les personnes qui habitent en Nouvelle-Calédonie, là, ils sont déjà mardi et ils entament leur journée de travail. Ah, ils sont dans le futur. Alors que nous, on n'est même pas couché, quoi. C'est clair. C'est explicable, hein, mais ça me fascine. Séparation dans 1 h 2 min. Est-ce qu'on... Ils vont couper le live ou pas? Je ne sais pas. Attends, je vais aller voir sur le site de la NASA ce qui était prévu dans le programme. Je pense pas qu'ils le coupent, hein, s'ils ont mis un compte à rebours. Quoique. Mais le compte à rebours, c'est 18 minutes. Donc ça doit être autre chose. C'est peut-être un rallumage. Non, en bas. Ah ouais, en bas, ouais. C'est quoi le compte à rebours? Non, en haut, le compte à rebours, c'est T+. Enfin, c'est le temps. Ah oui, pardon, putain. Vous avez décollé. Je me couche chez moi. J'étais là depuis le début, mais je suis parti m'occuper de mes blobs. Ah, les blobs. Énorme. Ah, ça va rebugger, je vous le préviens. Ça risque de rebugger. Bah écoute, la fibre dans mon village, ça n'existe pas. Hein. Malheureusement. Ouais. Alex, pourquoi on ne te voit plus? Tu peux me pousser avec les... Pour l'instant, la connexion tient, mais ça risque de péter là. Bon, bah c'était pas le meilleur live de la chaîne. Ça, c'est clair. Non, c'est clair. Les aléas du direct, hein, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Ça arrive à tout le monde, hein. Non, rien, c'est juste que c'est Lucas qui host. Bon, là, je pense que... Voilà, ça rebug. On va essayer de revoir un peu la stratégie pour les prochains. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là, les amis. Hein. C'est juste que je suis moins présent en ce moment, quoi. Bah, pour savoir si ça se sépare, bah... À mon avis, ils n'ont pas prévu de... Ouais, quoique. Ils sont en train de parler du spectrographe qu'il y a dans le...
Dans le satellite, hein. Bah, spectroscope, je crois. Spectroscope, ouais, pardon. Juste, en train de chercher le mot d'ailleurs. C'est à analyser les matériaux que vous avez dans un sol, par exemple, en fonction de des longueurs d'onde qui reviennent dans votre capteur. J'ai bien l'impression qu'ils vont stream pendant l'heure. Ouais, ouais. Merci Jean-Patrick. Bah dans la soirée, hein, dans la soirée Jean-Patrick, si tu veux voir un petit live aéro. Remédien. Il y a Nat qui te propose de d'essayer comme destination l'aéroport de Londres, comme une vidéo qu'il a ping. C'est un challenge sur YouTube, sur Discord pour toi Lucas, donc un challenge d'atterrir à Londres. Ouais, je pense. Ouais. C'est possible. Je vais regarder la vidéo. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un truc. Non, c'est flying to the most dangerous airport of London, steep landing on short runway. Ouais, je regarderai après alors. La piste d'atterrissage la plus courte. Ah, mais c'est pas long. Hein. Quelle heure le live aéro, Ryan? Je sais pas. Je sais pas encore. Selon à quelle heure on finit celui-ci, le temps de faire les réglages vite fait sur Streamlabs. De toute façon, si t'as la petite cloche, tu seras averti. Vous avez tous compris, hein, du coup, l'orbite héliosynchrone, c'était surtout le truc intéressant de la soirée, parce que c'est pas souvent qu'on fait des lives sur des orbites héliosynchrones. C'est vraiment... montré l'animation. Ouais, il l'a montré. Merci Laurence. Mac, il est imperturbable. Ouais. Mec, il est vraiment chaud. Trop fort. Hein. Donc le satellite Landsat 9, il est équipé, hein, d'un petit moteur pour pouvoir se déplacer. Comme je vous expliquais, l'orbite héliosynchrone, on est obligé de se décaler pour rester dans le plan du Soleil. Donc il faut qu'il ait un moyen de motorisation. Non, je peux pas, Ryzen, parce que il faut qu'on regarde les réglages vite fait là. Mais normalement les réglages sont bons. Je pense que c'est juste la co. Hong Kong, Tokyo. Attention. Bah, soit on fait un vol en Europe et on sera sur Evao et je pourrais parler avec des contrôleurs aériens, soit on part à l'autre bout du monde, mais ce sera sans les contrôleurs aériens. Surtout qu'en France ce sera de nuit, hein. Ou en Europe. De toute façon, ça peut être pas non plus un lancement le plus intéressant au point de vue visuel. Il faut rassurer pour ça. Non, mais t'inquiète, d'ici là, ça sera bon. D'habitude, on assure, hein. C'est juste que là, on a des petits problèmes de co. Super, les gars, tout va bien. Je vous envoie des bonnes bières belges. Allez, moi je vais. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir, Julien. Ouais, donc là ils sont effectivement en train d'expliquer qu'ils déforestent pour pouvoir élever du bétail. Et du coup le satellite lui peut analyser ça. C'est impressionnant, hein, toute la forêt qu'ils ont défoncée. Ouais, c'est triste.
C'est clair que Mac, il gère la fougère. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau technologique qu'il y a dans ces satellites. Imaginez si ça foire au lancement, la perte d'argent qu'il y a. Ah là. Perte d'argent et de temps aussi. Hein. Surtout. Il y a des gens, il y a des ingénieurs, des chefs de projet qui consacrent une bonne partie de leur carrière hein, sur ces satellites-là. C'est très long hein, comme projet. Hein. Il y en a pour qui ce soir c'est l'aboutissement de toute une vie. Hein. Ah oui, tout à fait. Tu m'étonnes qu'il parle de l'Amazonie. J'ai appris un truc avant-hier, mais l'Amazonie, c'est pas la plus grande forêt du monde. Non, j'ai vu ce que c'est. Elle est en Russie. Ah ouais? Ouais. Bon, ça me choque pas. Hein. Elle est en Russie et c'était hyper intéressant ce que j'ai regardé parce qu'à cause du réchauffement climatique, la forêt en Russie a pas mal cramé cette année et l'année dernière. Ouais. Et en fait, dans cette forêt en Russie, en dessous du sol, t'as une couche qui est en permanence gelée. Et cette couche, en fait, elle capte le CO2. Et du fait qu'il y a un réchauffement climatique, cette couche fond à cause des incendies. Et du coup, elle libère vachement de CO2. Et du coup, ça rentre dans un cercle vicieux. Donc là, oui, c'est la sauce. Ouais, parce qu'il parle des feux de forêt en Californie et tout le bordel, mais il y a eu bien pire en Russie, mais on n'en parle pas. Salut Florence. Oh, merci beaucoup Thibaut pour ton abonnement. Voilà, enfin. On a notre animation. Oh, ça tue en vrai. Bien content. Attends, moi je vais voir le retour. Je suis bien content. Ça marche. C'est pas réellement en rapport avec le permafrost, justement. C'est un autre truc encore, c'est pour ça que je connaissais pas. Mais c'est, enfin, grosso modo, c'est la même chose. Hein. Ouais, je l'ai vu l'animation. C'est énorme. Il ressemble vraiment à un satellite Starlink. Ah, j'ai pas encore vu. Mais que font les pompiers? Bah, et c'est à toi de le faire, ça, petit biscuit. Ton rôle, Quentin. Bah, ouais, c'est clair. Hein. Ah, bah voilà, Florence, t'as enfin vu les animations. T'as vu, c'est stylé. Hein. Ça fait pareil quand tu fais un don. Avec une danse différente et un son différent, quand même. On a fait les choses bien. Permafrost. Je crois que ça va bugger. Il y a une barre jaune. Landsat 9 a remplacé le Landsat 7. Et les amis, le nouveau fond vert arrive. Il arrive demain. Demain, j'ai le nouveau fond vert. Il faut savoir aussi c'est que il y avait un des satellites de la constellation qui s'appelait Landsat 6 qui n'avait pas réussi à atteindre l'orbite à l'époque. Je sais pas si t'en as parlé Lucas en début de live, mais où là on est sur le 9 qui va remplacer le 8, mais le 6 n'a jamais pu bien remplir ses fonctions quoi. Quand même triste. Merci de l'info, Quentin. On devra ajouter Flash devant Tibiscuit. C'est ça. Flash Tibiscuit. Parce qu'il intervient toujours comme ça là, il balance une info. Salut Space. Impeccable.
challenges. Satellites, no matter what project you're working on, satellites are hard to build. Eh ben. Custom, Landsat 5 a duré 30 ans. Ah oui, quand même. Donc en fait, ils prévoient une durée de mission. Et alors qu'au final, ils savent qu'il va rester bien plus longtemps, on revient. Ça fait un peu comme Ingenuity. Space Science, on les a jamais vus. Space Science, il est nouveau. T'es nouveau, non? Je crois que ça me dit rien, ton pseudo. En tout cas, si c'est le cas, bienvenue à toi. Après, il y a une... Celui-là, il est designé pour 5 ans et il doit vivre pour 10 ans, c'est ça? Celui-ci? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ce que je vois dans la frise de l'USGS. Jean-Patrick, ce qui apporte l'oxygène, c'est pas la forêt. La forêt, elle nettoie, hein. Elle transforme le CO2 en oxygène. Ouais, c'est le poumon de la Terre, hein. Ça peut pas, j'ai l'impression qu'ils sont bien partis pour nous laisser jusqu'à la séparation. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais malheureusement, malgré les talents de McRae, on pourra jamais tout faire. C'est clair. Salut Kubert. Bienvenue à toi. Mission integration team that brings together the flight and the ground system, put together new tools to enable testing all of this together. And still, there were lots of challenges with this. This has been tough on the team, and there's a stress level. You feel it, I'm sure, as much as anybody, that there's a stress with this pandemic, and it's been hard on the team. Salut, Essa. Bienvenue à toi sur le live. I think that was by far the biggest challenge because it's just gone on for so long. And I'm just so proud of this team bringing this mission to launch, even still here in the middle of this pandemic. Yes, well, it's a blessing to have you here. It's great to see. Par contre, j'aime pas du tout le patch. T'as le lien, Lucas, t'as le lien de l'animation que t'as présenté tout à l'heure pour l'orbite? Non, je l'ai plus. Merci Aïssa. Merci beaucoup, ouais. Salut Vincent, bienvenue à toi. Yo Vincent. Paris Tenerife, c'est 4 heures. Si peu. J'ai pas mal quand même. 4 heures dans un avion, tu vas pas passer. Hein. Ouais. C'est pas faux. Dans un avion IRL, mais dans un avion sur un jeu. Ouais, c'est clair. Sur un simu. J'ai fait Paris Guadeloupe, j'ai fait une sieste, je me suis réveillé, on est arrivé. Bah, franchement, j'ai bien hâte des images, des premières images que va nous envoyer Landsat 9, hein. Ouais. Parce que déjà que Landsat 7 avait fait des dingueries, mais alors là, si en plus il est meilleur. Bah d'ailleurs, on pourrait aller se poser à La Palma pour être sur le camp qui est en éruption, mais je pense pas qu'il y soit dans le jeu. Ah, en éruption, je pense pas. Ah bah non, j'ai. Je pourrais pas répondre à tes questions malheureusement parce que je ne le connais pas personnellement. Et puis personne d'entre nous le connaît personnellement. Non, non, non. Voilà, donc il vous remonte. Satellites are better than one.
Landsats 8 and 9 can work together to provide near. Ouais, d'accord, ils sont en stream en fait, donc ils live de dehors. Oh. Mais c'est pas la première fois que ça survient ça, parce que quand j'avais couvert l'an dernier, c'était le lancement, je crois, de Sentinel 6A. Je crois qu'il est opéré par une Falcon 9 de SpaceX. Ils streamaient aussi dehors de ceux qui ont bossé sur le satellite. Hein. Donc, ok. D'accord. À Vandenberg, c'est courant. D'accord. C'est pratique. Que ouais, les pauvres. Bah, c'est pas gâté là. Ils ont un peu. Ouais, c'est un peu moins clément que la Floride, par exemple. Ouais, pourtant, quand tu penses à la Californie. Ouais. Ouais, ouais là, tu vois, pourtant non, quoi. Il y a des gros problèmes de connexion ce soir, Vincent, on en est désolé. Voilà, donc dans 45 minutes maintenant, on aura le déploiement de Landsat 9. Moi je reviens les gars, je reviens dans 10-15 minutes. J'arrive. A tout de suite. À tout. Pourquoi tu dis ça, Jean-Patrick? Il y a eu des problèmes par rapport à ça? Bah, tu vois, comme on disait tout à l'heure, quand on disait qu'il y en a beaucoup, pour qui ce lancement était super important, c'est que là, McRae, on voit la traduction. Hein. La NASA et l'USGS ont travaillé pendant 7 ans sur ce lancement, donc ça fait déjà 7 ans. Prépare ce soir, tout simplement. Donc, quand vous regardez, hein, dans une vie d'un employé, pour n'importe lequel, 7 ans c'est énorme. Donc s'il y avait échec ce soir, ça aurait été compliqué pour eux, quoi. Ouais, ça aurait été bien dommage. L'avantage, c'est qu'on n'aurait pas vu le crash. Oui, ouais, là, c'est revenu. Hein. On a plus de, il aurait pu y avoir de soucis. Là. On est stable. Ah, la fonte des glaciers, c'est... Ouais, la fonte des glaciers, c'est horrible. C'est impressionnant. It lets you see the ice on the land as sort of this very active participant in what's going on. One of the places that I like to look at in this particular video of Hubbard is if you look just to the... Ouais, documentaire, j'ai vu... J'ai eu la notif tout à l'heure, Florence. Ça peut être intéressant. The river bed that's coming out of the glacier that's adjacent to it. And it just moves, trees, it moves... C'est vraiment catastrophique là, hein, la fonte des glaciers. Waouh! On les voit pas souvent ces images là. Hein. Ouais. Surtout dans les années 90. Là, on s'attarde vraiment à ce qui s'est passé dans les années, dans les années 2000 et plus. Parce que c'est là où c'est le plus rapide, mais quand même, dans les années 80-90. Après, c'est clair, hein, qu'en 2020, c'est clair, Florence.
huge glaciers that are flowing down out of a really high mountain range. And these big glaciers reach the coastal plain, and the ice just... Ah, c'est un peu court ça, David. Mais c'est un vol qui se fait en réel. Ah, tu peux faire ce vol là? Il le fait en IRL, il existe pour déplacer les avions. Ah oui, ouais. Oh, là, t'as vu les vagues que ça fait sur les photos hein? Ouais. Il faut savoir aussi pour proposer un projet cohérent. Là, je sais même pas, il voulait faire quoi, Astrono Geek? Pourquoi il avait levé des fonds déjà? Pour faire un vol Blue Origin. Ah, pour faire un vol Blue Origin, ouais, mais non. Ça, clairement, c'est un projet qui est pas viable sur YouTube. Il faut proposer quelque chose d'intéressant, comme Vibranquin avec leur multiplat, hein, mais... Ça va peut-être être mort, les gars, pour le live de Aero de ce soir. J'ai un petit contretemps qui vient de tomber, mais demain, promis. Bah déjà Aïssa parce qu'on a eu des gros problèmes de connexion au début et que ça dépend des lives, ce live là intéresse moins de monde qu'un départ Thomas Pesquet par exemple. Bien sûr, ce qui est normal hein, aussi. Mais on se développe tranquillement, on a passé les 10 000 abonnés, là on vient de passer sur Streamlabs, on a des petits trucs qui rentrent de plus en plus, on a des projets là pour les futurs mois qui arrivent. Donc voilà. Et surtout une actualité débordante hein, dans les mois qui viennent. Hein. Ouais. On a Falcon Heavy, on a S20 et B4, on a Super Heavy qui devrait faire des miracles pendant les mois qui viennent. Donc autour de Pesquet, on a Falcon Heavy aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y avait un truc important aussi. SLS, mais c'est pas tout de suite ça. Il y a la SLS en novembre, il me semble, décembre. Merci beaucoup. Blue Origin aussi. Cette fin d'année risque d'être mouvementée. Bientôt 11 000, ouais, c'est clair, bientôt 11 000. Hein. Déjà, ça va être un nouveau step. Hein. Oui, il y a la Falcon Heavy qui arrive. Faut qu'il revienne, Alex. Vandenberg Space Force Base. Et depuis going into orbit, le satellite far exceeded its 5-year mission lifespan. Là, j'ai lancé un truc, je sais même pas où ça s'est lancé. C'est vrai? Ouais, faut pas aggraver la situation. Ah, si. On est reparti. Landsat 7 will lower its orbit while waiting for OSAM 1 to launch. Once in space, OSAM 1 will autonomously rendezvous with Landsat 7. And when OSAM 1 gets close enough, the robotic arm will attach the gripper tool from off of its payload deck. Non mais les gars, c'est plus possible. Hein. The robotic arm has a range of motion similar to a human arm, making it ideal for this complex. Un enfer ce soir. OSAM 1 then catches Landsat 7 by the Marmon ring, which is how it attached to the rocket when it launched. Once ground operators pass the satellite onto OSAM 1's three berthing posts, the autonomous pit stop in space begins. A ground operators will then use OSAM's advanced tool drive system to prepare the valves. Qu'est-ce qu'il nous montre là? Après vous abonner à Starlink. Il parle des nouveaux systèmes de... Ah bah ça c'est ce que je parlais putain hier. En gros c'est les nouveaux systèmes de rendez-vous de satellites qu'ils sont en train de mettre en place qui soient universels en fait pour que chaque satellite puisse venir recharger par exemple en ergol
d'autres satellites pour qu'ils puissent ensuite remanœuvrer. Ouais, Julien, t'inquiète pas, on a vu aussi. Hein. Ah, bah merci, c'est Julien. YouTube aussi. YouTube qui non, mais quoi. On n'est pas seul, hein, c'est sûr et certain. On n'est pas seul. Mais... Bon, j'ai carrément YouTube Studio qui me dit aucune donnée, mais ça live. Genre, il faut m'expliquer. Voilà, donc en fait, là, ils étaient en train de parler d'un nouveau truc qui va se mettre en place. En fait, c'est des systèmes de pads universels, en fait, pour que les satellites puissent se faire refueler par des satellites refueleurs, en gros. Ce qui fait que les satellites qui sont en fin de vie, donc qui ont plus de fuel, peuvent venir se faire donner rendez-vous à un satellite rempli d'ergol pour pouvoir remplir le satellite en low fuel et pouvoir ensuite repartir sur une orbite poubelle ou se désorbiter ou même recontinuer une observation sur une autre zone. Merci Julien. Biscuit, ouais, qui... T'as vu, le petit biscuit nous dit que cette manœuvre là sera faite sur Landsat 7. Donc sur les prédécesseurs. Je trouve ça beau. Ouais. En vrai. Qui retourne là-haut pour continuer. Ça, c'est beau. Ouais, Yoda, ça arrive, hein, mais bon. Je sais pas, Nathan. Here's a look at the graphical animation of what Centaur is doing right now with Landsat at the front. You're looking down, you see the nozzle up, you see Landsat 9 at the other end. Of course, it's the animation, but it's real-time data. It's taking data from the telemetry. Surtout sur les Starship. Hein. And currently, there's a reason why it's positioned like that. Tell us. C'est l'objectif aussi, hein, du côté ouais. Starship. Hein. Hâte de voir ça, hein, vraiment. Hugo Lisoire en parle très bien d'ailleurs de ce nouveau système. Je vous invite à aller voir sa vidéo qui en parle. Jeudi, les amis, on sera en live pour le décollage de Soyouz. Et du coup, on restera en live du décollage jusqu'à l'amarrage. Hein, parce que vous savez que chez les Russes, on sait faire ça en 3 heures. Donc on suivra la totalité du vol avec eux, ça risque d'être sympa. On est pour maintenant vers le bas, c'est nominal. Bien sûr Julien, c'est pas un petit problème technique qui va nous... Il va nous arrêter, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Re Vincent, merci d'être venu en tout cas les amis sur le live. En espérant que YouTube règle tous ces petits problèmes avant demain après-midi. Merci Nathan en tout cas pour petite info, tu vois. Ouais, merci bien. On pourrait refaire un direct, Elodie, en vrai. Ah ouais, ça peut être cool. So Landsat data is unique in the world. This is the longest data set looking at land. And when we look at that at a time series of that data, we can see. C'est la directrice qui respecte bien les distances sur le plateau. Hein. Ouais. Là vous avez la directrice de la division sciences de la Terre de la NASA.
understand not only that change is happening, but how fast and whether it's accelerating and what it means for humans. Disaster mitigation is a huge interest, a topic of interest with wildfires ravaging California year after year, in 2020 being on record for the most named storms coming through. How does the data from Landsat help our government respond to these disasters? Landsat data is... Non, mais c'est pareil, j'ai rien retourné en cours et puis avoir ce genre de prof. Ouais. On est en France, malheureusement. So for example, if we have a forested area where the forest is no longer healthy, that can indicate that vegetation is fuel for a fire and is ripe for a wildfire. That can help help planners and responders prepare. And then wildfires. T'as vu? Ils visent un record en fait. Ouais. With Landsat and our other systems. And then incroyable. Fire, salut Gabriel, bienvenue. Merci de nous rejoindre. On est en train d'attendre la séparation de Landsat 9 avec le deuxième étage de l'Atlas 5. Donc non, c'est pas encore fini. Ça marche, Marie, merci beaucoup d'être passé. Salut Marie. Bonne soirée, bonne nuit. And NASA's Landsat 9 Earth Observation Satellite lifted off here at Vandenberg. Ça marche, Marie, merci beaucoup. Atlas 5 rocket, that was at 11:12 a.m. Pacific time, and it reached orbit. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Demain, on sera en live pour le déplacement d'un module Soyouz sur l'ISS. Relocalisation précisément. Relocalisation. Combien de temps ça va durer? Je crois que c'est une petite heure. Ouais. Tu m'étonnes, Elodie. C'est trop bien que tu fasses ça. Hein. Je suis la seule à avoir internet dans l'école, là, tu vois. Ah ouais, il nous repasse le décollage. In 2016, Utah Lake exploded and cyanobacteria blooms. The problem is that many cyanobacteria produce 700 photos par jour. You may have heard it called blue-green algae, but it's really a kind of bacteria taking in sunlight to drive photosynthesis and giving off oxygen. It actually requires quite a bit of lab testing to know whether or not it's harmful. Abonnement avec animation. Ouais, Vincent, alors attends. C'est une info à prendre avec des pincettes. On ne sait pas, on n'est pas sûr encore. Il y a une enquête de la FAA qui est en cours. Donc, on peut pas confirmer ni réfuter l'information. Mais il faut attendre. De toute façon, à mon avis, il y aura un communiqué officiel de SpaceX. But how can instruments up in space tell us about microscopic organisms in a lake down on Earth? Bonne question, Jean-Patrick. Landsat collects light and infrared wavelengths. Cyanobacteria reflect more green light than plain water does, allowing Landsat to relax. Il y a encore un flux de terminé. Ouais. Ouais, on aurait eu un. Oh la vache. C'est ouf. Ouais, bah. Les amis, je vous fais un beau montage de toutes ces séquences, qu'on ait tout en un seul live, en un seul replay, pour vous embêter, pour pas vous embêter à cliquer sur chacune des reliefs. D'ailleurs, je vous confirme que c'est pas que nous. Hein. J'ai un ami aussi qui fait des petits streams sur du jeu vidéo et lui, il a complètement abandonné. Il a arrêté de live parce que
Ils s'en sortaient plus. J'ai bien raison. J'ai remis la mini en place. Le déplacement, la relocalisation du module du Soyuz, c'est automatique ou ce sera piloté? Piloté. Ok. Un petit créneau dans l'espace, impeccable. Ouais. Ils vont réussir à observer des bactéries depuis l'espace, c'est quand même fou. Incroyable. La propagation. Let's break down what NEMA means here. To measure the amount of cyanobacteria, you need to know how much light reflected off the surface. But some of that light gets scattered by molecules in the atmosphere on the way to the satellite, lessening the signal received. And sometimes light that never made it to the surface gets scattered into the satellite, adding a false signal, like removing the haze from a photograph. Atmospheric corrections leave you with a quantitative measurement of exactly how much light left the water, known as aquatic reflectance. J'essaie de lire sur les lèvres de la personne qui parle, mais l'anglais c'est encore plus dur. Début novembre, Gabriel. Le retour de Thomas. Salut à toi, Delphin. Bon, on en est une trentaine de minutes du déploiement. NEMA's aquatic reflectance data product is available for download from the USGS. Bon, messieurs, je vais devoir vous laisser en vocal. Ça marche. Ça marche, rester, Hugo. Je vais rester sur le chat, hein, bien sûr. Bonne soirée. Pour la petite soirée, c'est cool. Hein. C'était cool. Merci à toi d'être venu. Super, il n'y a pas eu de problème. Bug technique. Ouais. Malheureusement, mais bon, ça arrive. Hein. On va pas. On a le soutien de tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, allez, à tout de suite dans le chat. Allez, à toutes. Merci. Ciao. Ouais, c'est normal, Julien. On a eu des coupures sur le live. On a dû relancer en flux, c'est pour ça. En tout cas, s'il y en a qui sont pas abonnés à la chaîne, c'est le moment parce qu'on a une petite animation sympathique. J'ai bien envie de la revoir. N'hésitez pas. Lucas s'est donné corps et âme cet après-midi pour proposer tout ça, donc il faut lui rendre. C'était pas le meilleur live, malheureusement. Il n'aura d'autres, ne vous inquiétez pas, ce problème sera vite oublié, monsieur Dem. Ouais, c'est pas faux, Jean-Patrick. On a 17 minutes de la séparation. Je vous rappelle que du coup, ce satellite fait 2 tonnes 713 kg et qui fait une longueur de 4,6 mètres pour 3 mètres de haut et 3 mètres de large. Salut Pocho! Et qu'il est du coup sur une orbite héliosynchrone. Donc une orbite en fait qui reste toujours dans le plan du Soleil. Ce qui fait que le satellite est obligé de se décaler de quelques degrés à chaque révolution de la Terre pour pouvoir rester toujours en face du Soleil. Gabriel, on sait pas, hein, c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes. Hein. Merci beaucoup, Jean-Patrick, pour ton don.
Merci à toi. Mais non. Merci à toi. Merci Jean-Patrick, voilà, c'est adorable, vraiment. On voit la petite animation du coup, merci, je suis content. Merci à toi, hein. Gros GG. Gros soutien de sa part. Pas trop mérité ce soir, mais bon, c'est pas trop notre faute. Non, du tout. Ouais. On est à la merci des serveurs YouTube, hein, qui sont en PLS ce soir. J'ai vu le nouveau générique de chaîne, pas mal. Ouais, merci Vincent. Hein. On a fait un petit teaser cet après, mais le générique là, pareil, hein, une intro et une outro que vous verrez en fin de live. Ça y est, on est en train de récupérer un peu des viewers, hein, encore une, vraiment désolé. Hein. Et les amis, je profite qu'on soit peu nombreux là, je sais qu'il n'y a que les vrais de la chaîne qui sont là, mais... On a peut-être eu, j'en dirai pas plus, mais une opportunité de tournage dans un endroit très sympathique qui devrait vous plaire. Ouais, les contacts avancent. Et voilà, donc on a des projets, hein, dans le futur. On va racheter aussi du matos pour faire du tournage, justement. Le matos de Lucas arrive cette semaine. Merci beaucoup, Patrice, pour ton abonnement. Bienvenue à toi. Quelle animation, parce que tu vois quand les gens s'abonnent ou quand les gens font des dons sur le live. Ça part au centre de l'écran. Merci à tous ceux qui sont abonnés en tout cas ce soir. Vous découvrez la chaîne sous son pire jour. Allez, on a moins un petit quart d'heure de la séparation du satellite avec le second étage. L'altitude de l'orbite ce soir c'est 705 km, hein, donc une orbite quand même qui est assez basse. Ah ouais, petit biscuit, sinon ça serait trop simple. Le bot il est pas bête, hein. Ah merci Julien. Surprise Vincent, surprise. On n'en dira pas plus. En tout cas, vous voyez qu'il y a un fort enjeu scientifique derrière ce lancement qui est très intéressant. Bien plus intéressant que du Starlink. Du OneWeb. On a vraiment l'évolution, regardez là, l'assèchement des fleuves. Et la faune, hein. Bah non, Elodie, ça sert à rien. Bah sinon, si tout le monde le fait. Et non, il faut s'abonner pour ça. C'est à quelle heure le lancement? Celui d'aujourd'hui il est passé. Hein. Là on attend la séparation dans une grosse dizaine de minutes du satellite avec le second étage. Ça fait 1h09 que la fusée a décollé. Ils ont bien préparé ce live, hein.
can you tell me a little bit about what your role is for the Space Force? Yes, first, Blair, NASA Edge, thanks for having me. So myself, I'm the chief of the Mission Manifest Office. It's part of the Launch Enterprise and Space Systems Command down at Los Angeles Air Force Base. We essentially survey all launch opportunities, whether it's DOD, civil, or commercial, to look for the extra performance that's on the launch vehicle to get other small satellites or large satellites. Question pour toi, Alex. I'm glad you mentioned small satellites. Quelle est la question? That's actually part of why we're here today. Qui sont reliés, ça s'appelle autour d'expédition 66, c'est ça qui demande? Ouais. Ah, le CNES, on y est déjà allé. C'est autre chose. En fait, là déjà, on est encore qu'à l'expédition 65. Donc déjà, laissons revenir les astronautes et cosmonautes de l'expédition 65. Ils vont pas tous revenir d'ailleurs, parce qu'il y en a qui vont rester encore jusqu'en mars de l'année prochaine. Comme Piotr Dubrov et Mark Bandai. Et pour l'expédition 66, donc il y en a 4 qui vont arriver fin octobre pour relayer l'équipage de Crew 2 de Thomas Pesquet avec Kayla Baron, Tom Ashburn, Raja Chari et Mathias Maurer. Et ensuite il y en aura d'autres plus tard, parce qu'il va y avoir des vols touristiques entre les avant et après. Donc début octobre on va avoir MS 19 qu'on va courir d'ailleurs sur la chaîne. Et début décembre on va avoir MS 20, qui seront deux vols touristiques. Et avec deux cosmonautes qui eux resteront, il me semble, qui vont faire le relais avec Oleg Novitsky et d'autres. Et donc ce seront Anton Shkaplerov et Alexander Mesurkin qui resteront, il me semble. Et après Expedition 66, on aura SpaceX Crew 4 avec Samantha Cristoforetti, astronaute italienne de l'Agence spatiale européenne, et deux autres américains avec elle, je n'ai plus leur nom, et il y a encore le quatrième occupant qui n'a pas été désigné. Et on n'a pas tout encore, pas tous les noms d'équipage qui vont succéder. It's very exciting to look at this CubeSat technology. So I'm wondering, can you tell me, how does this kind of innovation help the Space Force in the future? A lot, because whether it's the Space Force for science and technology. Merci beaucoup, Aurélien, pour ton message. And a lot of our critical operational capabilities that we need to get on orbit. A lot of satellites are going down from the larger, well-known systems down to small sats or CubeSats or ESPA class size satellite vehicles. On arrive bientôt au moment attendu de la soirée. Cette séparation. And then get it on orbit. So that technology is going to be critical as we continue to build out some of our national security space launch missions. And it kind of helps you develop it kind of a la carte, right? Because you can do it in a very small footprint. Exactly, a very small footprint. And if it's the same form, fit, or function, we actually have the capability to switch out those satellites if we need a critical capability that needs to get on orbit to meet whatever the requirement is at that point in time. Then we can actually down to L-4 depending on the mission and at that point in time and the variables at play. Et pour information, Crew 4 doit être lancé le 15 avril 2022. Donc à bord d'une Crew Dragon 2 SpaceX, donc avec Samantha Cristoforetti, comme je vous disais, qui effectue son deuxième vol. Robert Heinz et Gjell Lindgren, donc qui sont deux astronautes américains, et le spécialiste de mission 2 n'a pas été désigné. Savoir que Lindgren, il va être commandant, Robert Heinz pilote, et Samantha, elle va être spécialiste de mission 1. Donc il reste encore un astronaute à désigner, et le Soyuz qui suivra pour l'expédition 67. Mais c'est pas du tout tout de suite, c'est dans 8 mois, 7-8 mois encore. Progress bar. We're just a few minutes away from the actual separation. Yeah, very excited about this, getting ready to separate Landsat 9 and. Attends, Julien, je suis peut-être pas sûr de pouvoir être en live ce soir. Excellent launch today, and just waiting for that moment. Alors la taille de l'Atlas, c'est 58,3 mètres. C'est pas une fusée extrêmement grande, enfin c'est une fusée plutôt moyenne, on va dire. Il y a plus grand. Dans les classes de fusées, mais il y a aussi plus petit. Elle n'est pas ridicule non plus, quoi. La poussée au décollage de l'Atlas 5 sans les boosters, c'est 335 tonnes. Mais il faut savoir que chaque booster, ce sont des boosters à poudre. Et eux, ils ont poussé de 127 tonnes. Voilà, donc là, il y en avait 3. Donc au total, ce soir, on avait une poussée de 700... attendez, j'ai noté parce que j'avais fait le calcul, 764 tonnes de poussée ce soir.
Bah non, mais Orly Deauville, ça se fait. The diverse group of government and contract engineers, analysts and advisors certified market performance and reliability. The team provides long-term technical expertise and support to spacecraft customers from around the world. The team manages launches from multiple sites depending on customer. Et on va arriver à la séparation. Cape Canaveral Space Force Station in Florida, Vandenberg Space Force Base in California, Reagan Test Site at Kwajalein Atoll in the Republic of the Marshall Islands. Magnifique MD-11, cet avion de transport. Vincent, j'aimerais bien, mais j'ai pas du tout le background nécessaire. Forges ahead to support NASA's future. The program has four upcoming missions in 2021. Leading off LSP slate is Landsat 9, launching from Vandenberg. A partnership between NASA. Dans moins de 5 minutes, hein, la séparation. The mission will monitor and manage land resources to sustain human life. Next up, launching from Cape Canaveral Space Force Station, Lucy will be the first mission to study Jupiter's Trojan asteroids, which may be remnants of the primordial material that formed the outer planets of our solar system. It's then back to the West Coast for Double Asteroid Redirection Test, or DART, NASA's first planetary defense mission. That will be followed. Ils vont balancer un satellite sur un astéroïde pour voir s'il se dégale. Or IXPE, launching from Kennedy. IXPE will expand. Ah oui, ça c'est la prochaine mission qu'on couvrira le 16 octobre d'ailleurs. Lucy, qui va étudier 6 astéroïdes troyens de Jupiter. Ça va être une belle mission, ça. Allez, 4 minutes de la séparation. Just as much as we are Landsat 9 today, but Lucy, planetary mission, going to study the Trojan asteroids out by Jupiter. That is so exciting, some cool science that's going to be going on there. You and I just actually spent a few minutes with Dr. Z, hearing a little bit about that and his excitement too. We are so excited to get back to Florida. And then turn right around, come back here to Vandenberg to launch the DART mission. Which I think. Oui, non, c'est pas Lucy qui va s'écraser sur l'astéroïde. Lucy, c'est pour ce que vient d'énoncer Alex. Comment? Non, petit biscuit qui. Parce que t'as dû dire que c'était Lucie qui s'écrasait sur l'astéroïde, mais c'est pas Lucie. J'ai pas dit que ça s'écrasait, j'ai dit que ça allait étudier les astéroïdes. Il va y avoir une autre sonde qui va s'écraser volontairement sur un astéroïde. Ah, ça je me souviens pas du nom par contre. DART. C'est si. Ah, DART, ok. Moi je te parlais de Lucie, hein, je te parlais pas de l'autre. Alors Gabriel, on est à 3 minutes de la séparation du satellite avec le second étage. Énorme Aurélien. Regardez, hein, il s'est orienté vers la Terre. On voit les systèmes RCS hein, qui sont en action. Toute la télémétrie est en direct. Et regardez, on passe pas très loin de chez nous. On voit la Corse, on voit l'Italie. On doit être actuellement au-dessus de l'Albanie ou quelque chose comme ça, non plus bas. On va arriver au-dessus de la Grèce. À quelle orbite ça largue 705 km sur une orbite héliosynchrone. Dans 2 minutes. Ils sont en train de redresser le deuxième étage là. Passe au-dessus du Maghreb là. Afrique du Nord. Moyen-Orient bientôt. Ouais, plus au-dessus de la Grèce, Alex. Bah moi je nous vois passer au sud. On voit l'Italie, on va arriver à l'est. J'ai de la botte et tout. À l'est, ah, c'est plutôt. Ouais, c'est peut-être la. Autant pour moi. Je suis perdu parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus bas en fait, non. On va arriver sur les pays de l'est. Merci beaucoup, Gabriel. Maintain Centaur in its space. So we're doing
Regardez, on voit hein, sur l'animation 3D quand les RC sont utilisés. On arrive à une minute de la séparation. Ça sera la fin de mission pour cet Atlas 5. Déjà un apogée de 678 km aussi. Ouais. On n'est pas encore tout à fait sur son... On n'a pas l'altitude visée, ouais. Ouais, sur son altitude visée, mais elle va y arriver. Là, on va être attentif sur l'animation. Ouais. Ça active tous les RCS, non ? Centaur and not leave it in space as space junk. A point of history for the Atlas system and Centaur. We're listening now to see and standing by for spacecraft separation shortly. Je te fais une juste après je te fais un résumé de la mission. Déploiement effectué. Ouais. Déploiement effectué les amis. And we have successful separation of the Landsat 9 observatory. C'est légèrement incliné avant de le déployer. Félicitations. Félicitations. Aux équipes du ELA, de Northrop Grumman, de la NASA, l'USGS, et les autres équipes, les universités aussi. On arrive déjà au-dessus de la Russie pratiquement. Ouais. Résumé de la mission, c'est un lancement d'une Atlas 5 401, donc pas la plus puissante des Atlas 5. Pour le déploiement de 5 satellites, dont un gros qui s'appelle du coup Landsat 9, qui est un satellite qui fait 2 tonnes 700, qui fait 4,6 mètres de long pour 3 mètres de haut et 3 mètres de large. Et ces satellites, en fait, c'est un satellite d'observation de la Terre, hein, pour la déforestation, pour l'analyse de l'eau, la fonte des glaciers, l'analyse des sols, l'urbanisme, etc., l'urbanisation. Au second étage, il va retomber au fur et à mesure. Voilà, donc c'est opéré par la NASA et USGS. Donc USGS, en fait, c'est la Commission géologique des États-Unis. Voilà, en gros. Et puis il y avait 4 autres petits smallsat pour 2 pour l'observation d'exoplanètes. Voilà. Et ce satellite sera sur l'orbite polaire héliosynchrone à 105 km d'altitude. Donc assez, satellite assez important quand même. Qui suit la famille des Landsat 7 et 8. Et ils vont tenter d'augmenter encore plus la durée de vie ce satellite. Hein. Ils vont essayer d'établir un nouveau record pendant sa durée de vie qui est normalement prévue à 5 ans. Ah oui, t'as raison, quand même. Merci Jean-Patrick. Ouais, merci beaucoup Jean-Patrick. Merci pour tes dons aussi. En tout cas, on peut dire que c'est une mission carrément réussie pour toutes les équipes. Oui, tout à fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si le satellite va s'allumer correctement. Si Northrop Grumman a fait du bon taf ou pas. En tout cas, ULA a fait du très bon taf jusqu'à maintenant. On peut dire que la mission du ULA est finie, hein, une fois que le second étage sera redescendu. This mission was supposed to go earlier in the month, and we had some issues getting
Ok les amis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on a encore des lives de prévu cette semaine. And so, you know, this pad has not been used for the last 3.5 years since we did the Insight. Merci beaucoup pour cette synthèse très détaillée. Pas toujours évident de suivre toutes ces missions quand on n'est pas habitué. J'avais cru pour un instant que c'était une nouvelle tentative de Astra. Non, non, pas du tout. Mais avec plaisir, avec Kevin. Écoute, t'es au bon endroit pour comprendre ce qui se passe dans l'espace. Gros, gros GG à Mac hein, qui nous fait toute la traduction. Ouais, depuis le début, il est là, Mac. Ça bouge, j'espère que ça. Ouais, en tout cas, très grosse réussite ce soir. Bien content que ce satellite d'observation ait pu être placé en orbite correctement. Il y aura quoi cette semaine comme lancement? Alors, on n'a pas de lancement cette semaine. Là, on aura la relocalisation du Soyuz MS-18 sur l'ISS. Ça, c'est demain à 14h. Et on aura le désamarrage du CRS-23, donc du Crew Dragon. Enfin, pas du Crew Dragon, du Cargo Dragon ouais. Sur l'ISS. Mmh. Et la semaine prochaine, lancement Soyuz, amarrage, donc tout en live, du lancement jusqu'à l'amarrage du Soyuz MS-19. Pendant 6 heures. Voilà, on va suivre le lancement de A à Z. Yes. Merci Vincent, bah écoute, normalement on couvre absolument tous les lancements qui seront. Tout est déjà planifié sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'accueil de la chaîne et vous trouverez votre bonheur. Merci, je vais rougir. Ça rigole bien en plateau, Vandenberg. La mission Lucie qu'on streamera aussi hein, sur la chaîne le samedi 16 octobre à partir de 11h. Le live est déjà planifié. Ça partira du pad SLC 41 à la Cap Canaveral Space Force Station à 11h34 avec la même fusée ici, l'Atlas 5401. Et ça partira cette fois en orbite héliocentrique. Il sera prêt le café, Jean-Patrick. Voilà les amis, on arrive sur la fin du live, sur la fin de la webcast. En tout cas, merci beaucoup et puis vraiment on s'excuse pour les problèmes techniques qu'on a eu ce soir, mais on a bien eu confirmation que c'était des problèmes chez YouTube. Donc voilà. Et ils nous remettent une petite rediff du décollage, voilà, donc regardez, on va laisser ça pour le plaisir des yeux. Ouais. Merci Gabriel, avec grand plaisir. Demain, je vous regarderai en sourdine car nous avons déjà eu une conférence à l'école sur le réchauffement climatique avec de super reporters. Ça marche, Elodie. On fera coucou à tes élèves. Bonne soirée, Julien. Ouais. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que vous avez aimé ces nouvelles animations quand vous abonnez, quand vous faites des dons. C'est la petite nouveauté de ce soir. Et puis... Ainsi que la nouvelle charte aussi, hein. Des nouvelles chartes en place sur les Minia et sachez qu'on tend vraiment à tout professionnaliser, même si bah, ce soir ça s'est pas trop traduit comme on voulait espérer, mais sachez que pour les prochains lives on sera au taquet carré, il n'y aura pas de problème. Donc rendez-vous demain dès 14h sur la chaîne pour suivre la relocalisation de Soyuz MS-18. Vu le nombre de lancements de plus en plus réguliers, les compagnies privées, quelles sont les entreprises les plus prometteuses pour les prochaines années à vos yeux? Déjà, sans aucun doute, SpaceX. Ça, c'est ULA hein, qui est pas mal. ULA qui va continuer avec, ouais. Avec sa Vulcan. Il y a Sierra Nevada, il y a Axiom, il y a Firefly, il y a Rocket Lab. Bon, Blue Origin, même si les gens contestent un peu, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises. Hein. Virgin Orbit. Virgin Orbit, Virgin Galactic, même s'ils sont un peu cloués au sol. Il y a même des startups françaises aussi, hein, Venture Orbital, Aurora, il y a une entreprise allemande qui est RFA, enfin, il y a plein, même aussi en Chine, hein, enfin,
Ça bouge de partout. Ça bouge de partout dans le spatial. En tout cas, les amis, on va se quitter sur ces images, je pense. Et on se retrouve, comme on vient de le dire, demain, 14h, pour de nouvelles aventures qui, cette fois-ci, normalement, marcheront correctement. Se passeront sans encombre, on l'espère. On l'espère, on croise les doigts. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre persévérance aussi, hein, d'avoir cliqué sur toutes ces nouvelles notifs de live. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que demain, je reçois mon fond vert et les lampes devraient suivre dans la foulée. Ouais. Merci Space Science. Et merci à tous ceux qui sont abonnés ce soir. Merci à Jean-Patrick qui a fait des dons. Et merci aussi à Basic12 pour ton don. Et à Séverine. Voilà, merci à vous les amis. Et à tous ceux qui ont rejoint la team ce soir. Et puis on se retrouve rapidos. On va aller se coucher pour être en forme demain. Régler ces petits problèmes de Streamlabs pour que ce soit au top pour vous. Et puis voilà. On se quitte là-dessus, Alex ? On se quitte là-dessus, bah, comme tu as tout dit. Hein, merci à tous ceux qui ont pu nous suivre malgré nos petits incidents techniques, mais ça sera réglé. Et puis merci à ceux qui ont soutenu. C'est vraiment les vrais qui restent, comme on dit. Et puis demain, vous serez en compagnie vraiment de Lucas et du Ghost. Tout se passe bien, ainsi que jeudi. Pour les amarrages de dragons, je ne serai point là, je ne serai pas là, mais je leur donne mon entière confiance. Et ça, soyez aussi gentils avec eux, posez-leur les bonnes questions. Que l'échange reste courtois, agréable et qu'on kiffe tous ensemble ces moments qu'on passe tous et ensemble. Puis voilà. On va se quitter sur notre outro du coup, hein, vous allez voir qui est magnifique. Et puis voilà, merci, gros bisous, je vous dis, on vous dit à demain, ouais. Et passez une très bonne nuit, à bientôt les gars, ciao ciao. Bisous.